Salut tout le monde, c'est 767 et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et non, c'est pas un commentary live, c'est un mode studio. Je viens juste de faire cette partie là il y a à peu près 5-10 minutes. Et bah là, j'ai essayé de trouver une arme. Alors en fait, maintenant j'ai trouvé à peu près ma stabilité pour faire des bonnes parties. C'est en fait, je vais dans le menu matchmaking là où je sais pas trop quoi. Et ouais, je sais pas parler, hein. C'est pas de ma faute. Je suis éduqué comme ça. Et je sais plus ce que je veux dire maintenant. Ouais, je prends le mode mercenaire. Comme ça, les équipes sont tirées au sort et je suis tranquille. Ah, et lui, il m'a pas vu, hein. Même pas eu le temps de tirer. Alors, ce jeu, il est franchement. Alors, je vais dire ce que j'en pense du jeu dans cette vidéo. Et franchement, niveau texture, oh là, je vais me faire buter comme une merde. Franchement, des fois il y a, là je testais si elle était stable, je crois. Des fois il y a ces moments, le mec est passé à côté de vous, il vous voit pas, mais il vous cut à peu près 10 secondes après. Mais c'est un truc abusé. En fait, même plus besoin d'atout commando dans Modern Warfare 3, parce que dès qu'on n'a pas besoin d'atout en fait pour se téléporter. Je vais me faire buter, là je vais contourner, il me semble. Je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, ouais, franchement, là je vais faire une petite impression là, vu que j'ai assez. Je peux même pas regarder mon score. Alors ça, c'est vraiment nul dans ce mode studio, mais c'est pas grave. C'est déjà bien qu'ils ont mis un mode studio pour Modern Warfare 3. Vu que moi j'aime pas trop jouer en live, et que si je joue en live, je laisse assez de blanc. Déjà que là j'en laisse pas mal. Enfin, pas mal. On va dire ça. Là j'ai fait style que je l'ai pas vu. Alors je crois que c'est là, mais que c'est complet. Je me suis posé des questions. Il est passé où? Je vais regarder. Il est pas là. Il joue à cache-cache avec moi en fait. Il est pas là. Et là. Vous avez vu, j'étais complètement à côté. Alors là il y a un peu de retard. Parce que là j'étais bien dessus, je m'en rappelle. Mais celui-là, mais j'ai rien compris. J'aurais même pas. J'ai même pas mérité son kill. Alors ça, je sais pas comment on fait pour le casser, j'ai rien compris. Et là, c'est du pain béni pour moi. Alors l'assistance, c'était de la merde. Mais là, je crois que c'est l'ACR. Mais l'ACR, elle est hyper puissante. Elle est magnifique. Et ce que je trouve bien dans le jeu, c'est qu'on n'est plus obligé de passer les 10 prestiges, par exemple, pour avoir l'arme en or. Là, on l'a au bout... du 31e niveau de l'arme, et là avec l'MP5 je suis à 22 niveaux, donc je suis assez avancé, je trouve. Bon, c'est clair qu'il y en a qui sont mieux avancés que moi, et voilà. Bon, j'ai dit que je parlais du multijoueur. Alors lui, très joli kill de sa part. Alors j'avais pas regardé, mais franchement je me suis dit, tiens, je vais le battre, mais ça va être trop facile. Et en fait non, le mec il vient, quickscope ou flashcope, je sais pas, j'ai pas vu la killcam. Mais magnifique de sa part. J'ai rien à dire. Et j'ai vu que sur ma page YouTube, comme quoi j'ai 8 abonnés. Non mais ça, quand je vais dire ça, ça va me paraître stupide, mais je suis pire que content. Alors ça m'est tout premier abonné. Et je pense pas faire long feu, hein, je veux dire... Je pense pas. Alors c'est là. Là j'ai rien compris à l'atout. Enfin à l'atout au truc. Bon bref, je pense que je vais arriver aux 10 000 abonnés, des trucs comme ça. Mais je fais pas ça pour les abonnés. Tant que j'ai par exemple quelques vues, comme 30 vues sur mes vidéos, je sais qu'il y a déjà 30 personnes. Après je vois il y a 2-3 j'aime sur ma vidéo, ça fait plaisir. Alors c'est, alors quand on lit, ouais, tes vidéos sont super, enfin super, j'aime bien, des trucs comme ça. Alors ça c'est un truc, alors ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a même ému, j'ai eu 2-3 messages comme ça, et ça m'a ému, mais un point, parce que je faisais des vidéos sur Dailymotion, mais le patron de Dailymotion ou le responsable, je sais pas trop quoi, il m'a envoyé balader, et je sais pas si Neto c'était pareil, c'était pour ça qu'il avait quitté Dailymotion, mais je pense qu'on a eu le même problème, et... ils étaient méchants, enfin ils sont assez bruts, ils tournent pas autour du pot, ça je lui ai dit, c'est bien ce qu'ils font, qu'ils soient francs,
Mais qui se foutent de ma gueule, franchement, je suis pas d'accord. Parce que je sais que j'ai 15 ans, ça m'arrive à faire des fautes d'orthographe, mais ils se foutent de ma gueule parce que j'ai fait une faute d'orthographe sur une vidéo. Il faut non plus pas déconner, quoi. C'est... Après, ils se sont foutu de ma gueule pendant tout un dialogue, alors... j'ai quitté. Alors ça vous peut-être paraît bête, mais je préfère être sur YouTube. Et franchement, là, j'ai pédalé dans la choucroute pendant un petit moment. Et là, ça fait combien de... Ça fait 5 minutes à peu près. Si on se dépêche... Et ben là, si je me dépêche, par contre, on pourrait peut-être faire une deuxième partie ensemble. Ouais, bon, bref, je vous ai expliqué pourquoi j'ai quitté Dailymotion. Et sur Dailymotion, franchement, j'avais 4 abonnés et ils m'ont pas suivi. Bon, c'était pas des abonnés actifs, je vais pas mentir. Parce que les abonnés actifs, c'est ce que j'appelle ceux qui mettent des j'aime. Là, jouer. Là, ceux qui mettent des j'aime, des trucs dans le genre, vous voyez, je veux dire que c'est... Un commentaire, ça fait pas de mal, juste bonne vidéo ou mauvaise vidéo. Alors il y a un truc qui m'a fait rire. C'est j'ai marqué exprès entre parenthèses vidéo inutile sur déballage de Call of Duty Modern Warfare 2. Et je sais plus si c'est Neto qui dit ça ou je sais pas, mais il y a obligé une personne qui va mettre en commentaire. Ouais, ta vidéo elle est inutile. Oui, mais c'est ce que j'ai marqué. Alors moi on m'a marqué. La vidéo, t'as bien fait de marquer que ta vidéo était inutile. Moi ça je l'ai pris tranquillement, je l'ai pris pour un compliment. Et je sais pas si ça a énervé la personne ou pas. Mais je sais que après, non je confonds avec un autre. Non 6. Non, je sais pas en fait. Non. Oui. Oh yeah, je me rappelle pas. Non, si, je sais pas, franchement je sais plus. Je sais pas, mais des fois j'ignore. Franchement, ça lui plaît pas, rien ne l'oblige à regarder ma vidéo. Et même, franchement, moi je regarde pas vraiment mes vidéos, alors on m'a dit, je sais plus, désolé, j'ai plus ton nom en tête, Xanorx, un truc comme ça. Il m'a dit comme quoi... j'ai quelques défauts. Et franchement, quand j'ai lu ce qui m'a marqué, ça m'a fait plaisir qu'il a pris la peine de d'écrire ce qu'il a marqué. Mais il y avait toute une page. Et franchement, j'ai bien été attentif. Alors je te remercie. Franchement, ça fait toujours plaisir qu'il y a des personnes qui aident encore les autres. Des nouveaux youtubeurs, on va dire des jeunes, hein, des pas du tout connus comme moi. Ça fait toujours plaisir qu'il y a des personnes comme toi. Qui aide les plus faibles que soit, on va dire comme ça. Franchement, je te remercie, c'est vraiment sympa de ta part. Voilà, petit côté remerciement et tout le tralala. Alors là, j'essayais d'avoir le mastodonte parce que j'ai le truc soutien, bidule machin, hein, c'est le truc on peut pas mourir. Alors, l'MP5K, franchement, je suis allé au CFA aujourd'hui. Quelque chose coincé entre les dents. Voilà. Attendez. Voilà. C'est bon. CFA, il me dit, ouais, le mec il joue avec l'UMP. Il me fait... Il me demande avec quoi je joue. Je dis l'MP5. Il me dit, ouais, l'MP5 elle est cheatée plutôt. Franchement, je suis désolé, mais entre l'MP5 et l'UMP, la plus cheatée, c'est bien l'UMP. Après, ceux qui jouent contre avec l'UMP, franchement, j'ai aucun problème. Parce que dès que j'ai commencé MW3, j'ai tout de suite pris l'UMP. Alors ça, je l'avoue. Alors, j'assume mes actes. Il n'y a pas de mal de prendre une arme cheatée. Mais il faut juste l'avouer qu'elle est cheatée. C'est tout. Après, les mecs qui disent non, elle n'est pas cheatée, elle est juste puissante. C'est la même chose. Elle est plus puissante que les autres. Ouais. Je dois passer pour un con. Alors là, c'était... J'ai dû faire 3 kills comme ça. Hein? Après, je voyais au radar. Comme quoi, il n'y en avait plus. Donc, je remontais. Et je vois quelqu'un qui tire. Je regarde, je redescends. Et je vois encore un point. Alors franchement, le respawn de Modern Warfare 3, ils vont le changer, je crois. Je suis pas sûr.
Mais là pour l'instant elle est pourrie. Alors là, non, deux personnes j'ai tué comme ça. Alors franchement c'est un bon jeu hein. Non, 3. Et là j'ai essayé de faire une trip. Alors des fois on comprend pas les mecs qui regardent en dehors de la map et je sais pas ce qu'ils regardent, on dirait qu'ils veulent voir le soleil se coucher alors qu'il n'y a pas de soleil, donc c'est pas possible que ça soit ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient regarder en dehors de la map? Qu'est-ce qu'ils pourraient... Ah, les petits oiseaux. Et ça se trouve, ils comptent les oiseaux qui volent. Vous imaginez, ils comptent les oiseaux qui volent. Non, 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 c'était pas drôle, tant pis. Ok, je sors, je sors. ouais. Non. Non, je croyais que j'allais jouer avec cette arme, mais je me suis dit... je m'en rappelle pas d'avoir joué avec cette arme, je m'en rappelle même pas d'avoir ramassé. Mais cette partie, je l'ai fait il y a à peu près 15 minutes. J'ai une mémoire de poisson rouge. On va dire ça comme ça. Donc, tiens. Il est beau cet endroit. Tiens. Il est beau cet endroit. Vous imaginez le poisson rouge. En fait, il s'ennuie jamais. Franchement, j'aimerais bien être comme le poisson rouge. Ah bon, bref. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Je peux donner mes appréciations, comme j'ai dit, et je les ai toujours à donner. Ouais, franchement, si je pourrais noter le jeu pour l'instant, hein, je dis c'est pas une note définitive. Quand je ferai peut-être une vidéo test sur le multijoueur. Ça, c'est presque sûr. Quand je serai niveau 80, donc à peu près 2-3 semaines. Enfin, non, même peut-être fin de semaine, je suis niveau 80. Je sais pas, faut voir si je geek comme un porc. Sinon, ouais, je pense que je ferai une vidéo test et je vous donnerai ma note. Pour l'instant, ma note, elle est de... suspense, 18 sur 20. Franchement, 18. Là, j'ai envie de dire que Black Ops, hein, on entend souvent les plus grands youtubeurs critiquer Black Ops. Mais franchement, j'ai passé de bons moments sur Black Ops. Hein. J'ai ressenti une sensation dès que je l'ai acheté. Que je peux pas expliquer, elle était... J'ai tellement pris de plaisir à jouer au début dessus, mais... Elle est bien. Alors là... C'était là, alors là, oui, là aussi. Le coup de couteau, mais que j'ai rien compris. Alors, moi je sais pas trop quoi dire, en fait. Je peux dire juste que... Il y a des ennemis encore assez ignorants. Alors, des fois... Les assistances comptent comme des une illumination. Ouais, des fois il y a des trucs. Franchement, alors là, je suis fier de moi. Elle est pas mal comme arme, hein, l'MP5. Hein. Franchement, si... ouais, sinon je peux. Voilà, ouais, je pourrais faire comme T2 76, faire des tests d'armes. Et ouais, ça serait copié. Ça serait copié quand même, mais ouais, c'est un peu con de copier. Ouais, bon. Je fais ça pour le plaisir aussi. Hein. On va dire que tout le monde copie tout le monde. Hein. Au pire, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il m'en voudra pas. Donc 12-4, un assez bon score. Quand on regarde les autres aussi, ils ont pas fait... ouais, bon, 1-14-0. Enfin, ceux-là, ils ont pas fait des bons scores. Sinon, je suis assez fier de mon score. Et bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et moi, je vous dis... je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et je pense que la prochaine vidéo soit ça sera le multijoueur de Call of Duty Black Ops Modern Warfare 3, soit le mode survival. Mais ça, si je me fais le mode survival, je le fais en plusieurs parties. Donc je pense pas que je vais le faire parce que ça va durer trop long et même c'est pas trop mon truc. Et ça va être long et je vais pas pouvoir pas laisser de blanc. Voilà, c'est tout. Donc je pense plutôt que ce sera une vidéo multijoueur comme ma chaîne elle est surtout sur Call of Duty et les prochaines vidéos aussi, et quelques vidéos seront sur WWE 12, je sais pas si ça se dit comme ça, WWE 12, Assassin's Creed Révélation et peut-être Saint-Ro. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.